À toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 novembre 2023 avant de lancer le débat ou l'échange. On va donc prendre les quelques lignes d'actualité que j'ai prévues pour vous. Donc ce matin, l'enveloppe allouée au secteur de l'éducation est passée de 70,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 238%. C'est le président Tshisekedi qui s'est donc prononcé hier au cours de son discours sur l'état de la nation tenu hier devant le Congrès. Les rémunérations des magistrats seront doublées dans les prochains exercices budgétaires. C'est une autre déclaration du chef de l'État. On ne va pas tout dire, mais on va prendre quelques aspects forts de son discours. Situation de la presse en RDC, le président de la République reste totalement satisfait. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro et consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire. Nos finances publiques reflètent une gestion prudente. L'émission des bons à trésor a été un franc succès. Rien ne peut se décider sous le Congo sans le Congo. Le président Tshisekedi ordonne aux autorités donc de Olomami de prendre des mesures avec une extrême urgence pour établir la paix à Malembankoulou à la suite des violences meurtrières à caractère ethnique. Il a en outre dénoncé le comportement de certains magistrats qui n'honorent pas la justice congolaise, entre autres la mauvaise attitude donc de ce dernier pour ce qui est de l'amélioration des conditions carcérales au pays. Le président Tshisekedi a annoncé la réhabilitation de 11 prisons et la construction de 11 autres prisons dans le pays. À Kinshasa, une prison est en construction à Maluku et une autre à Sake, dans le nord Kivu. À propos de la presse, comme je l'ai dit, en l'espace de 4 ans, nous avons gagné 30 places dans le baromètre de la liberté de la presse. Le train de modernisation est en marche pour la RTNC, l'ACP. Je condamne tous les actes, toutes les atteintes à la liberté de la presse. Le gouvernement fournit des efforts depuis 5 ans pour garantir une meilleure sécurité des journalistes. Il appelle à plus de responsabilité de ces derniers. L'état de siège a eu comme, entre autres, avantages la limitation du coulage des recettes et de la fraude qui avait élu domicile dans les deux provinces. Il souligne le chef de l'État qui invite les groupes armés qui n'ont pas déposé les armes à rejoindre ceux qui les ont déposés, à se ranger du côté de la paix et donc à revenir à la raison. Autre actualité qui a défrayé la chronique hier, 4 personnes sont mortes à Malembankoulou au centre de la région de l'ex-Katanga de ces dernières 48 heures. Au cours des violences intercommunautaires, l'incident s'est produit à la suite du meurtre d'un conducteur de taxi-moto perpétré par des supposés bandits identifiés comme ressortissants de la région du Kasaï. En représailles, les collègues de la victime s'en sont pris aux membres de la communauté kasaïenne vivant à Malembankoulou. La tension entre la communauté kasaïenne et katangaise est latente à quelques jours des élections. Peter Kazadi, en réaction à cette nouvelle, Peter Kazadi annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs des crimes donc, dans cette localité. Voilà, merci beaucoup de nous faire confiance. Une nouvelle fois, c'est parti pour la Grande Tribune. Voici les deux sujets qui vont faire l'objet de l'émission. Doit-on repartir à zéro ou consolider les acquis déjà réalisés? Ça, c'est l'une des questions que s'est posé le chef de l'État pendant son discours à la Nation. Deuxième sujet, conflit intercommunautaire à Malembankoulou. Que retenir de ces violences? Voilà. Merci mesdames et messieurs, deux invités. Je commence par M. Camille Mpinda. M. Camille Mpinda est conseiller spécial du président du parti ADSP, Académie des démocrates socialistes et progressistes, parti politique, membre de l'Union sacrée. Bonjour M. Camille, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être ici avec nous pour la toute première fois. Bonjour et surtout merci de cette opportunité que vous venez de m'accorder pour pouvoir m'exprimer au nom de
de mon parti et en tant qu'analyste politique congolais. Analyste politique congolais et membre de l'Union Sacrée. Hein, membre de l'Union Sacrée, oui, nous avons signé la charte de l'Union Sacrée et dans la nous sommes dans la majorité présidentielle. Et nous avons accompagné les quinquennats qui viennent s'achever avec le président de la République et nous pensons y continuer encore. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Lui, il n'est pas politique, hein. Lui, c'est un analyste indépendant. Il n'a pas de couleur politique. Toujours présent, toujours pour soutenir cette émission. Monsieur Henri, merci beaucoup de ce privilège, de cet honneur que vous nous faites ici à Congo Buzz et surtout à l'émission Grande Tribune. Merci beaucoup, Dan. Grande Tribune, c'est vraiment un. Je dirais que c'est une émission qui s'affirme dans un angle un peu exceptionnel parce que Grande Tribune, il est vrai qu'en tant qu'humain, tout un chacun peut avoir des préférences. Mais ce qui est à noter, c'est que Grande Tribune, quand on est là, on ne sait pas comprendre si c'est une émission de l'opposition ou du pouvoir. Donc c'est ça. Le côté le plus puissant de l'émission. De cette émission et de Congo Buzz, au-delà des impressions éloignées, mais nous sommes dans cette réalité que cette émission dégage. Tout à fait. Merci beaucoup donc, monsieur Henri Tshimbalanga. Bon, avant de vous donner la parole pour un biscuit, peut-être que je commence à monsieur Camille Pinda. Monsieur Camille Pinda, est-ce que vous avez un message à lancer, une communication à faire, un commentaire sur l'actualité à faire qui vous touche particulièrement avant qu'on puisse prendre les sujets du jour? Je salue quand même le discours d'hier du président de la République devant le Congrès. C'est un discours martial. Ça, c'est déjà dans le sujet. À part ça, vous n'avez pas... Oui, à part ça, j'ai salué ma femme, mes enfants et toute personne qui va me reconnaître. Voilà. Merci beaucoup. Un biscuit également, monsieur Henri? Oui, le biscuit, mais il est aussi déjà touché un peu par les sujets. Mais sinon, une façon de dire que personnellement, je suis un peu touché de voir les Congolais s'entretuer de très loin de nos frontières, parce que c'était facile de dire que les Rwandais tuent les Congolais à l'est de la République. Ouais. Mais la situation de Malimbankulu, c'est à plus de 1200 km de cette frontière-là. Donc des Congolais entre eux, et pire encore, c'est pratiquement le même peuple. Les Luba du Kasaï et les Luba du Katanga, c'est un même peuple. C'est ça. Alors, quel qu'en a été le motif, mais ces violences-là, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est vraiment, il n'y a pas de qualificatif et je souhaiterais que de plein droit, que l'État s'assume. D'accord. Que l'État s'assume dans cette tragédie que nous vivons encore. Hein. Nous vivons encore. Nous ne voulons pas que ces genres de choses se perpétuent. Surtout qu'on est à quelques mois, quelques jours déjà, hein, des élections. Des élections. Donc il faut vraiment qu'on puisse enterrer la hache de guerre. Monsieur Camille, le sujet, c'est justement le discours du chef de l'État. Avant qu'on ne se pose cette question-là, quel avez-vous compris personnellement de ce discours? Alors, c'est un discours bilan. Il a... Bilan de 5 ans. Il a de 5 ans. C'est un discours bilan de 5 ans et il s'est projeté déjà. Et c'est un discours à 3 étapes. Il a parlé de l'état de nation, bien sûr. Il a commencé par étayer... son arrivée au pouvoir. Il a parlé de ça, il a parlé des avancées qu'il a pu apporter pendant ces quinquennats qui viennent de s'achever et il s'est projeté de ce qu'il pourra faire encore demain. Donc c'est quelqu'un qui est lucide, qui sait où il va, et sauf que il faut l'amener qui peut aller avec lui loin. Parce qu'il a besoin des hommes, des femmes capables d'entrer dans sa vision et surtout de l'amener encore plus loin. Les 5 prochaines années, je dirais, c'est la clé de voûte pour le Congo. Le Congo a besoin de lui encore ces 5 prochaines années, non seulement pour faire beau à la tête de l'État, mais c'est surtout pour apporter ses idées plus loin. Plus loin, pour changer chaque individu, chaque Congolais, et que le bien-être soit au rendez-vous de chaque famille au Congo. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, personnellement? Est-ce que dans son discours, c'était un discours qui est réaliste, un discours qui
qui est en phase avec la réalité de la population, ou c'est un discours qui est totalement déconnecté. Certains ont même dit que ce qu'il a raconté n'a rien à voir avec ce que vivent réellement les Congolais. Est-ce que vous pensez que dans ce qu'il a dit, il y a des éléments qui se détachent de la réalité que vivent les Congolais? Bien sûr, vous savez, la politique doit faire rêver. Si un politique ne fait pas rêver, il ne sert à rien. Parce qu'un politique, c'est comme un architecte qui est devant un terrain et qui se projette, qui dit il y a 2 bâtiments, 3 bâtiments, il y a les ascenseurs, il y a les jets d'eau, tout ça. Et lui, c'est un politique né, il se projette, il se laisse aller. Et quand il se laisse aller, il y a quand même le concret dans ce qu'il est en train de dire. Il a énuméré tant de choses qu'il a pu réaliser pendant les 3 dernières années. Et ça, ce n'est pas qu'il n'a pas vendu que des rêves. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui est lucide et qui a une vision. Alors, présenter la chose comme telle, il doit faire rêver. Et la fois dernière, quand il a parlé de l'Allemagne, de l'Afrique, les gens ont se marré. Mais l'Allemagne n'a pas été construite à 1 an, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, même à 20 ans. L'Allemagne, c'est jeter un projet qu'on commence dès le premier pas jusqu'à l'aboutissement. Les présidents de la République et l'issue des... Est-ce qu'il mérite un second mandat? Oui ou non et pourquoi? Alors, il faut aller demander aux gens de Kaluka, ils vous diront si Félix mérite un deuxième mandat. Il faut aller demander à ceux qui habitent Ipen, qui avaient du mal à déboucher pour arriver à ma campagne, et ceux qui prennent maintenant la voie pour aller vers le pont, ceux des moutons de pompage, il faut leur poser la question s'ils sont satisfaits de son travail. Il n'y a pas que eux, les 145 territoires, les 145 territoires qui sont en train d'être changés dans ces pays, ce n'est pas de l'heure. C'est une réalité. Moi, j'étais en Bougement il n'y a pas longtemps. J'ai vu la construction du bâtiment de l'université. J'étais à Lualaba. J'ai vu ce qui s'est passé à Lualaba. Donc, c'est quelqu'un qui est contre vents et marées en train de progresser avec les moyens qu'il a entre les mains. Donc, il mérite un second mandat. Il mérite un second mandat. Monsieur Henri, quel était-vous personnellement? Quelle était votre lecture de ce discours après l'avoir auditionné? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Dan, je pense que c'est le discours, d'abord il faut comprendre que c'est le tout dernier discours de son quinquennat, que déjà on est aux élections et pour qu'il prononce notre discours dans des circonstances devant le Congrès, ce ne serait que l'année qui suivra, la première année des élections. Et de surcroît, ça résume son bilan à lui. Pendant les cinq années passées, il a résumé, il a donné les bilans qu'il a réalisés dans ce contexte. Moi, je pense que je peux dégager certaines choses. La population, il faudrait bien le dire, elle est inscrite sur une certaine sorte d'habitude dont on ne prend pas en compte. Il est vrai qu'on a longtemps été, permettez le mot, comme mal éduqué sur le plan civisme. On a passé tout le temps à croire que ce qui se fait au pouvoir est toujours mauvais. Et cette habitude-là a fait que maintenant, la célèbre opposition qui se retrouve au pouvoir, maintenant ceux qui ont perdu ce pouvoir-là, s'inscrivent dans une logique telle que même s'il est en train de réaliser ce qui est de l'intérêt de la communauté, il faut toujours rejeter. C'est de là que je dis qu'il y a ce manque-là d'éducation civique. Or, si on s'inscrit maintenant dans cette éducation civique-là, qui va nous amener à comprendre sans tenir compte de l'appartenance politique de celui qui pose les actes, dégager seulement le caractéristique de tout acte, c'est-à-dire par rapport à l'intérêt général. Je pense qu'on devrait avoir un autre regard désormais. Parce que Mobutu, il a des œuvres qui sont bénéfiques jusqu'à aujourd'hui. Je peux citer qu'une seule qui est très grande, Barrage Dinga. Mais pour autant, à l'époque, on n'avait pas le temps de comprendre que Mobutu a fait ne serait-ce qu'une seule chose qui pourrait être bénéfique pour la communauté. Kabila, mêmement. Et maintenant, c'est Félix. Qu'est-ce que moi je peux tirer de ce discours? D'abord, il y a un fait.
qui n'est pas facile pour un président de la République. Si vous comptabilisez tous les discours, toutes les interventions publiques de Félix, il a le courage de dénoncer la mauvaise marche de la justice. Donc ça donne l'impression, jusqu'à son dernier discours, il s'en est pas caché. À ce point-là, qu'est-ce que moi je note personnellement? Je note que donc, il croit en lui, à cet avènement d'un état de droit, lequel repose sur la justice, et surtout quand le président de la République, comme ça a été de coutume dans notre pays, n'interfère pas dans la justice. Alors à ce niveau-là, c'est comme si c'est son rêve de voir, de donner une justice à ce pays, laquelle le président de la République n'interfère pas. À ce niveau-là, on peut, si nous nous référons à son propre discours, oui, on va dire qu'à ce niveau-là, au niveau de la justice, ça a été un échec. Oui, lui-même ne s'en cache pas. Il a dit que ça a été un échec, mais il faudrait maintenant voir que cet échec-là, c'est la cause du Congolais qui n'a pas compris. Congolais en tant qu'acteur dans ce domaine-là, qui n'a pas compris que, bon, voilà, ce président de la République se retire de toute interférence dans la justice. Maintenant, nous rendons une bonne justice au peuple congolais pour que ce peuple comprenne maintenant que oui, donc la justice est capable de mieux faire son travail à condition que le politique n'interfère pas. Mais c'est déjà de coutume que les politiques interfèrent toujours dans les affaires judiciaires, dans les dossiers judiciaires. Quelque part, il y a cette coutume, cette mentalité qui a pris corps, qui s'est enracinée. Et on peut même dire que certains magistrats, pour traiter des questions d'État, ils ont de la réticence. Ils craignent peut-être pour leur avenir, pour leur... Donc, ce n'est pas... On tirait simplement sur la justice, ce n'est pas résoudre le problème. Peut-être qu'il faut changer, mettre en question, mettre en confiance ces magistrats-là. Oui, Dan, mais pour les mettre en confiance, c'est lui qui donne le ton, c'est le président de la République. Lequel ton a donné? Mais maintenant, cette coutume-là, parce que la coutume, c'est au fait une habitude qui vient religion, c'est une religion, oui, religieuse. Mmh. Mais cette habitude-là, qui devient une seconde nature, le Congolais est capable d'échanger en une seule minute. Mais c'est quelque part cette indiscipline ou mauvaise foi. Retournons un peu en arrière. Quand Laurent Désiré est arrivé, avec des méthodes fortes, personne n'a eu le temps à prendre pour se réglementer. Tout le monde, parce qu'il y avait, tu joues là-bas, on te fouette. Bon, maintenant, quand Félix, lui, dans sa façon, il pense que les gens peuvent comprendre une certaine vision. Mais laquelle, malheureusement, les acteurs dans ce domaine-là n'arrivent pas à saisir que ici, il est question que nous travaillons conformément au texte ou à l'exigence de la loi. Et ils préfèrent développer les mêmes antivaleurs qu'on a aussi longtemps décriées. C'est ce qui donne lieu à cet échec-là, lequel, lui, ne s'en est pas caché depuis. À toutes les occasions, il en parle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi a le même regret que Kabila, qui disait qu'il a échoué à changer l'homme? C'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut dire que les deux sont arrivés à la même conclusion? J'emprunte ici la même réponse de Félix à cette même question-là qui lui avait été posée lors de son premier passage à Vatican. Il a dit ceci. Oui, je pense que mon prédécesseur avait raison. Je me retrouve dans le même cas où j'ai des gens, chacun a son éducation, et ça pose des sérieux problèmes. Vous savez, quand on n'est pas dans les affaires, on a une autre façon de voir les choses. Et surtout, lesquelles? C'est-à-dire ces fonctions-là. Mais une fois que vous êtes dedans, vous avez maintenant des réalités qui, par moment, où vous pensez qu'il fallait écraser Camille Pindaki en face de moi, maintenant vous vous dites que ce ne serait pas ça la solution. Donc vous devez maintenant en face d'autres réalités ou d'autres exigences. Parce que vous n'allez pas écraser tout le monde, mais la meilleure façon, la meilleure des choses à faire, c'est de se battre pour ramener les gens à cette conscience-là. Donc, Tshisekedi et Kabila sont presque dans le même... sont tombés sur le même... sont arrivés à la même conclusion que changer l'homme congolais, c'est ça même les pneus problèmes. Je dirais que oui, c'est le plus grand défi. C'est l'homme congolais qui s'avère par moment être ennemi du Congo. Merci beaucoup, monsieur Henri. Alors, doit-on consolider, doit-on repartir à zéro, consolider les acquis déjà réalisés? Monsieur Camille, quelle est votre réponse à ce sujet? Je vais répondre à cette question, mais j'aimerais rebondir sur
sur l'argumentaire qui vient d'être donné concernant l'homme congolais. Alors, il faut mettre les choses en ordre, c'est-à-dire l'éducation de l'homme est le résultat d'une construction sociale. On ne peut pas se lever un matin si on ne donne pas les outils nécessaires de l'éducation pour d'emblée dire que la personne ne correspond pas à une éducation donnée. Je m'explique. Le président Kabila a déclaré à son temps qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. C'est ça son rêve. Alors on peut reposer la question. Qu'a-t-il fait pour changer cet homme congolais? Qu'est-ce qu'il a mis comme outil en marche pour que cet homme ne soit pas, après 18 ans, le même? Et là, vous réfléchissez. Oui, oui, non, je lui pose la question. Parce qu'aujourd'hui, l'homme congolais qui est là aujourd'hui est le résultat des dictatures, des pouvoirs des 18 ans que Félix aujourd'hui veut changer en instaurant la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire, on prend une masse des jeunes qui étaient voués à l'éducation que Kabila a décriée. Félix a pris ses enfants, a commencé à les encadrer en instaurant la gratuité. Parce que nous, aujourd'hui, on est l'issue d'une éducation parentale et d'une éducation de l'école. C'est-à-dire, c'est l'addition de ces deux-là qui font aujourd'hui, on peut être fier de passer aujourd'hui à cette émission, parler. Mais pourquoi est-ce qu'on regrette ces gens-là? Une grande partie de l'homme congolais n'a pas changé. Mais c'est à peu près la même chose quand le président Tshisekedi dit qu'il regrette le comportement de certains magistrats. Mais alors, si nous devons extrapoler, je vais finir. C'est un peu dans le même. Alors, les magistrats qu'on a aujourd'hui, il a eu quelle éducation? Il a eu quelle vision? Parce qu'il n'a pas 8 ans. Le magistrat qui se mécomporte aujourd'hui a une base, un soubassement de l'éducation qui fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas un Congolais imaginaire. Mais l'enfant qu'on a pris aujourd'hui à l'âge de 8 ans, qu'on a introduit à l'école, qu'on va encadrer encore les 5 prochaines années, après 18 ans, vous pensez qu'on aura le même discours? Je ne pense pas. C'est-à-dire, quand on va à une conclusion, on doit se poser la question, quelles sont les données mises en place pour qu'on n'ait pas la même personne? Déjà, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement dans le secteur de la justice? Vous l'avez énuméré tout à l'heure. Pour extirper le mal qui gangrène ce secteur. Parce que ceux qui sont en train d'être élevés aujourd'hui, des enfants qui vont grandir, peut-être demain qui deviendront magistrats, s'ils trouvent le même système... Non, ils ne trouveront pas le même système, je vous garantis. Je vous le garantis. Ils ne trouveront pas le même système. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour changer ce système-là? Déjà, l'éducation. Ça, c'est le premier pilier d'avoir un nouveau Congolais demain. L'éducation. Nous, moi, je suis fier d'être Congolais. Je ne me retrouve pas dans ces castres de ces personnes-là. Je suis très fier d'être Congolais. J'ai l'éducation de mon père, j'ai l'éducation citantine. Donc, ces deux ensemble me font de ce que je suis aujourd'hui. Mais les enfants qu'on a délaissés à partir de 90, là, parce que les Congolais chitaient à partir de 90, multipartisme, tout ça, il n'y a pas eu de suivi, tout ça. Et l'école aussi a pris cet élan. On n'a pas pu sortir aujourd'hui les gens rationnels dans ces pays. Il y en a de moins en moins. À cause de la pauvreté. À cause de la maltraitance. Doit-on consolider? On va consolider. Je vais répondre à la question. Le président de la République a donné des arguments concernant la magistrature. Il a dit qu'il sera intransigeant. En doublant la paye, en leur donnant des opportunités de faire mieux leur travail. Et derrière, il y aura un contrôle sévère. On a besoin d'une justice qui élève la nation. Une justice qui enterre la nation, le président. Et il n'y a pas que lui. Il y a des multitudes de Congolais qui ne en veulent plus. Aller en justice, c'était une façon de dire, voilà, je vais demander de l'aide. Mais aujourd'hui, on a peur d'aller en justice parce qu'on connaît, c'est le plus fort ou le plus riche qui va gagner. Donc, je vais répondre à votre question maintenant. Oui. Comment consolider les acquis et faire le contraire, c'est de revenir à zéro et retomber dans tout ce qu'on a imaginé. Il y a plusieurs acquis. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a énuméré clairement. Qu'est-ce qu'on a acquis? Le passation
de pouvoir d'une manière civilisée. C'est un acquis qu'on doit consolider pour léguer à nos enfants. Il n'y aura plus de dialogue ici et là qui débouchera toujours par des souris. Bien qu'il n'est pas l'artisan de cette passation de pouvoir pacifique. Ce sont les acquis. C'est un héritage à construire. Exactement. Ça, c'est parmi les héritages. Parce que ce n'est pas seulement les infrastructures, non. C'est aussi... En quelque sorte, il faut saluer aussi cette action de Kabila de laisser passer. Alors, si j'ai quelque chose à saluer à Kabila, c'est toujours ça. Je ne suis pas adepte de ses idées, c'est bien. Mais c'est ces points-là que j'ai toujours salué Kabila. Il a pris de la hauteur que Mobutu n'avait pas à son époque. Il a fait mieux que Mobutu parce qu'avec... Si Mobutu était à ce niveau-là, on n'allait pas arriver au moment où il était acculé. Mais Kabila a pris de la hauteur. Et ça, je ne cesserai de le remercier. Voilà. Donc c'est parmi les acquis que le président de la République a énumérés. Mais il y a encore tant d'autres. Donc, le pouvoir politique doit se gagner dans les urnes. Donc pour vous, ce qui est en train d'être fait doit être consolidé. Il n'est pas question de faire table rasa et construire à nouveau. Construire quoi à nouveau? Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la base qu'on est en train de mettre. Prendre un Congolais qui était exclu de l'école, le remettre à l'école. Demain, donner les moyens à ses parents. Il y a beaucoup d'antivaleurs qui minent la société congolaise. Il y a beaucoup, beaucoup d'antivaleurs. Mais la corruption... Tout ça, la corruption, les tribalismes, on est en train de dénoncer ça, l'intolérance, la haine, il y a beaucoup d'antivaleurs qui... C'est vrai. Est-ce, doit-on continuer, doit-on consolider sur cette base ou doit-on repartir à zéro? Non, mais on doit décrier tout ça, on ne peut pas consolider sur ça. On ne peut rien faire sur ça, il faut les décrier, il faut les écarter. Mais je vais vous dire, il y a deux points que j'aimerais soulever par rapport à ces points concernant le tribalisme et consorts. C'est la pauvreté, d'abord. Il faut bannir la pauvreté dans ce pays. Quand quelqu'un est pauvre, il est à la merci de tout vent, de toute idéologie, pourvu qu'on lui prépare une issue glorieuse. Glorieuse. Merci beaucoup, M. Kabim Pinda. Je vous reviens incessamment. On va poursuivre. Monsieur Henri, quel est votre avis à ce sujet? Doit-on repartir à zéro ou consolider les acquis déjà réalisés jusque-là? Dan, je pense que... Ça s'inscrit toujours dans ce discours-là, mais c'est un très grand questionnement. Je pense qu'il est tout à fait naturel de comprendre quand il parle de consolider les acquis de cet élan. Cet élan a ses multiples faces, qui sont du moins positives, et lesquelles, effectivement, on doit consolider, parce que c'est un élan transversal. Parce qu'il est à fin mandat. Et je pense que, en disant cela, ça nous interpelle aussi à comprendre que quand il y a fin mandat, on doit succéder à celui qui est là que par la voie des élections. Ça nous renforce à aller vers la démocratisation et aussi le développement du pays. Parce que si on doit procéder, chaque fois repartir à zéro, ça dit beaucoup. On revient à zéro, c'est-à-dire on retourne comme à l'époque de Sand City. On doit recommencer le tout à zéro. On donne naissance à une formule monstrueuse. On a 1 plus 4 et puis on va comme dans l'inconnu. Mais cette étape-là fait que on part de là. On arrive à une constitution qui n'existait plus avec le départ de Mobutu. Cette constitution-là, bien que adaptée à ce contexte-là, nous donne néanmoins cette marche de la... Mais quels sont les acquis que nous avons déjà et sur quoi nous allons construire? C'est ça aussi la question. Mais voilà, les premiers acquis d'abord de cet élan-là, c'est quoi? Donc, on doit se dire qu'il faut, après 5 ans, on a les élections. Ça nous évite d'imaginer des voies négatives ou des voies subversives qui puissent vous amener à l'élection. On doit d'abord consolider ces acquis-là, lesquels on a vu un président qui fait un passage, je peux dire, le passage très civilisé de pouvoir, ça quitte de ses mains pour
une opposition qui a été très farouche. Je pense que n'y a pas d'autre mot que ce que Camille a tout de suite débité ici par rapport à ça. C'est un acte que tout Congolais doit saluer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut trouver peut-être le juste milieu? Il y a des domaines où il faut consolider, il y a des domaines où il faut faire table rase, par exemple. D'abord, le plus grand domaine, c'est celui-là, le domaine politique. L'accession, ou mode d'accession au pouvoir. Parce que c'est quand on arrive, par exemple, par des coups d'État qu'on se retrouve toujours à zéro. Parce que signifie un coup d'État? Ça voudrait dire on rase et tout ce qu'il y a comme texte. On repart à zéro. C'est ça ce que signifie le coup d'État. On efface tout. On change l'ordre établi. Donc là, on repart toujours à zéro. Mais maintenant, dans le contexte actuel, ce sont des acquis qu'on doit... Ce qu'on a déjà concrètement, 5 ans élection, 5 ans élection, c'est déjà des acquis. Mais le prof Ndaïwel qui disait qu'il faut qu'on y réfléchisse, qu'on aille peut-être à 9 ans... C'est peut-être ça aussi. 9 ans, là, ça devient un autre sujet. Mais même s'il parle de 9 ans ou la durée d'un mandat, mais cela ne casse pas l'élan. L'élan de démocratie. Voilà, démocratie, ça ne casse pas l'élan. Lui, il parlait sur le terme que, vu l'immensité du pays, 5 ans pour que quelqu'un fasse quelque chose de considérable, c'est pas tellement évident tout ça. Mais néanmoins, il n'a pas ramené un sujet. Faisant par exemple allusion à ce que non, les élections, ça sert à quoi, on doit oublier. Là, c'est-à-dire, on repart à zéro. Mais dans ce qui est de négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup aussi d'aspects négatifs. Oui, les aspects négatifs, oui. Écoutez, vous savez, ici on parle aussi en termes d'éducation. Oui. L'aspect négatif doit être beaucoup plus attaqué par les sanctions. Et les sanctions... C'est la justice. Oui, c'est la justice. C'est là où il y a vraiment un sérieux problème. Mais heureusement, j'ai vu aussi... Personnellement, je trouvais que le président de la République se plaignait un peu trop en tant que chef. Chaque fois, il pointe la justice. Lui-même dit que ça ne marche pas. Mais dernièrement, ça, j'ai applaudi. Ouais. Les sanctions qui ont été infligées aux magistrats, on les a révoquées. Et je pense que cet élan-là, c'est aussi, ce sont des élans à préserver. Ouais. Que vous soyez, parce que les magistrats, à un certain moment, dans la République, ils se disaient qu'ils ne peuvent pas être sanctionnés. Mm-hmm. Mais si maintenant ces sanctions-là deviennent aussi une habitude, eux, ils ont l'habitude d'être véreux, mais à côté d'eux, il y a aussi l'habitude de les sanctionner. Je pense qu'ils vont commencer à avoir peur, parce que quand on te sanctionne en tant que magistrat, parce que tu as été véreux, tu n'iras même pas au barreau, c'est fini, tu es foutu. Tu restes au chômage toute ta vie. Merci. Et maintenant, comme je pense que si ces sanctions-là commencent maintenant à être à rôder autour des magistrats, eh bien, ils auront peur de perdre leur travail. Merci beaucoup, M. Henri Tshibalanga. Alors, on va dire que l'homme congolais, c'est le plus grand chantier qu'auront les dirigeants, qu'auront toujours les dirigeants congolais. Et cela passe notamment aussi par une bonne justice, comme vous l'avez si bien dit tous les deux. Alors, M. Camille, bientôt, il y aura des élections et on va choisir de nouveaux dirigeants. Peut-être que le président Tshisekedi sera reconduit. Je dis bien peut-être. Alors, dans cette hypothèse-là qu'il est reconduit, quels sont les aspects qu'il devra normalement corriger? Ce que vous avez remarqué de peut-être qui n'ont pas aidé son mandat, qu'est-ce qu'il devra corriger au second mandat, s'il est élu? Merci de cette question. Nous allons militer pour qu'il soit élu. Parce qu'en face, il a comme adversaire le bien-être des Congolais. Et il se bat pour cela. Si je peux répondre à cette question, je dirais... Il lui faut une majorité idéologique, numérique et idéologique. Ce qui lui a manqué pendant les précédents quinquennats. Parce qu'on a un régime politique, on a un régime politique qui est démocratique avec l'appui de l'Assemblée nationale. Donc un présidentiel sans la majorité à l'Assemblée nationale ne peut pas aller loin dans ses projets. Donc il lui faut une majorité, et pas n'importe quelle majorité. Une majorité idéologique. Qu'est-ce que vous entendez par une majorité idéologique? Les gens qui réfléchissent à 65% de la même façon sur la vision du Congo. On n'a pas besoin des gens qui peuvent changer de veste du matin au soir.
qui étaient des pépères de matin, ils deviennent Union Sacrée les soirs, et après demain, on ne sait pas comment est-ce qu'ils peuvent changer. On a besoin d'une ossature au sein de l'Assemblée nationale. Et ça passe par... ça passe par une majorité idéologique. Idéologique. C'est-à-dire... UDPS majorité au Parlement. Uniquement UDPS. Non, non, non. UDPS, nous, on est ADSP, on n'est pas UDPS. ADSP, UDPS. Mais ADSP et UDPS, c'est deux jambes d'une même personne. Parce qu'on est ici aussi de l'école d'Étienne Tshisekedi. On est aussi comme l'UDPS. On a fait nos preuves au sein de l'UDPS. On a la même idéologie que l'UDPS. Mais on est, peut-être, on se différencie par des mécanismes à mettre en place, mais la tête ne change pas. Parce qu'on a été instruit par le même professeur. Mais nous voulons accompagner les chefs de l'État pour le bien-être. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale peut être une caisse de résonance. Mais ils doivent produire des idées, accompagner les chefs et apporter même les idées. Nous avons vu tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, les députés qui vont prendre, qui augmentent leur salaire au détriment de la nation, au détriment des pauvres peuples, qu'on pense qu'ils sont souverains. Et nous voulons faire un nouveau pacte avec ces députés-là. Vu que les élections vont commencer, nous voulons un nouveau pacte avec ces députés. Vous voulez dire que les députés n'ont pas aidé le chef de l'État? Les députés, ce sont des bourreaux des peuples congolais. Il faut leur dire clairement. Si les Congos ne sortent pas, c'est à cause des députés. Ce n'est pas le chef, c'est les députés. Non, mais les députés, on a un système, un régime politique où les députés, on a une démocratie représentative. Ce n'est pas le gouvernement, c'est les députés. Exactement, ils sont là pour contrôler le gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de ces pays, on a vu les premiers ministres démettre à l'Assemblée nationale. Pour la première fois de l'histoire de ces pays, ça veut dire qu'ils ont un certain pouvoir. Au moment où le premier ministre ne voulait pas démissionner de lui-même, on a enclenché la deuxième vitesse qui était le désister. Donc, il a été débité de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Donc les maux du Congo, tous les malheurs du Congo, c'est, ils viennent de l'Assemblée nationale. Ce sont les députés. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on le dit aussi fort? Parce qu'on est à la porte. S'il y a chômage au Congo, c'est l'Assemblée. C'est à cause des députés. Si les gens sont dans le détournement, le vol, c'est l'Assemblée nationale. Mais je vous l'ai dit, je peux le répéter mille fois devant... S'il n'y a pas de route, c'est l'Assemblée nationale. Mais ils sont là pour ça. S'il n'y a pas de... Comment dire? S'il y a inflation, c'est l'Assemblée nationale. On va dire aux Congolais aujourd'hui, notre malheur s'appelle député. Alors ces députés-là, aujourd'hui, nous voulons faire un nouveau pacte avec... On veut faire un nouveau pacte avec, parce qu'on a le président avec nous. Le président Félix est avec nous. On a un président qui réfléchit comme nous, qui parle comme nous. Mais la séparation du pouvoir fait qu'il ne peut pas tout faire seul. Il a besoin des appuis, des alliés qui sont convenables à sa vision. Il a fait un discours après son discours de 6 minutes. Il a dit, il a demandé au gouverneur, il a demandé au gouverneur de s'harmoniser à sa vision. Qui étaient les peuples d'abord, par trichement des créations, de la mise en place de la gratuité. Pour finir rapidement, je dois donner la parole à M. Okay. Henri, on va prendre la deuxième thématique. Est-ce que vous pensez que la démocratie est-elle une donne obligatoire pour le développement du Congo? Ouais, c'est une question piège, cette question-là. Mais facilement, on peut nous dire, oui. Il y a un arrière-plan quand on pose cette question. On voit la Chine, on voit la Libye, on voit les pays comme ça qui se sont développés sans la démocratie. Mais répondre d'emblée à cette question par une réponse mécanique, ça donnera l'opportunité aux ennemis de la démocratie de s'engouffrer et d'apporter des arguments. Mais je dirais, nous aspirons à une démocratie. Je réponds à la question, je ne fuis pas la question. Nous aspirons à une démocratie, quand bien même notre pays n'est pas encore développé. Et notre mission est de faire le développement dans la démocratie. Donc, les Congolais ont l'obligation de se développer dans la démocratie. Merci. Même si d'aucuns pensaient que c'est un vernissage. Quoi. Merci beaucoup, M. Henri. Aussi rapidement, sur la question des aspects à rectifier, à corriger pendant le second mandat du chef de l'État, au cas où il est réélu, qu'est-ce qui devra changer, modifier? D'abord, je tiens à dire, à rappeler que le Congolais, lui-même, il est le sérieux problème. Par manque de... Donc, nos partis politiques n'ont pas fait suffisamment le travail d'éduquer les militants. Tenez, Dan.
quand à l'élection, les gens pensaient, pour moi, il suffit de voter pour Félix. Sans savoir que tu votes pour Félix et tu te dis, bon, Dan, c'est mon ami, mais lui, il est du PPRD, donc député national, je vote Dan. L'essentiel pour moi, j'ai voté un président de la République. Sans comprendre que quand vous votez pour quelqu'un en tant que président de la République, mais vous votez encore pour des députés qui ne sont pas de la même pensée que lui, courant politique que lui, vous êtes en train de projeter une difficulté à gouverner. Et c'est dans ce contexte-là qu'il vient de traverser les 5 ans. D'où désormais, il faut que le Congolais tire des leçons. L'électeur qui décide sur son avenir doit comprendre les enjeux. Donc au niveau de l'Assemblée, au niveau de la députation nationale et provinciale, il faut trouver... Absolument. Quand je vote pour Camille comme président de la République, je dois chercher un député qui est aussi de la même famille politique que Camille. Je vote pour lui. Donc c'est une très grande leçon. Sinon, comment voulez-vous ? Félix, ici, quel que soit ce qu'il pouvait avoir comme belle vision, mais il avait quelle marge de manœuvre ? Parce qu'en face de lui, il avait une majorité parlementaire qui ne lui était pas acquise. Tenez, il appelle sous le cas Matata. Et de surcroît, c'est Matata lui-même qui a écrit à l'IGF que venez m'auditer pendant que Félix disait que moi, je ne vais pas fouiller dans le passé. Bien qu'aujourd'hui, on crie sur Félix de l'acharnement. Mais la réalité des faits, Dan, vous êtes journaliste, vous le savez que les faits sont sacrés. Oui. Mais les commentaires en sont libres. Oui. Et nous, on a cette discipline-là de s'accrocher aux faits. Qu'est-ce que je veux dire ? Matata, il appelle l'IGF. L'IGF commence à le coincer, il renvoie le dossier à la justice. Mais Félix qui appelle, il reçoit les sénateurs la veille du vote pour lever les immunités à la demande du procureur. Félix dit en tant que président, il dit à ces sénateurs-là, qui de surcroît se sont présentés comme étant de l'Union sacrée, la majorité. Il leur dit, je voudrais voir comment notre justice peut travailler loin des interférences politiques. Ne faites pas obstruction à la justice. On a ce souci-là de voir une justice qui travaille, qui fonctionne sans influence politique. Ok, d'accord. Mais demain, dans les urnes, qu'ont fait ces sénateurs-là, ils votent contre cette démarche-là. Ils bloquent. C'est-à-dire un président de la République qui se retrouve en face d'une majorité qui ne lui a pas été acquise. Mais faute de quoi ? Du peuple qui va voter, qui ne sait pas le pourquoi il vote et comment voter. Dans le plus grand problème de Tshisekedi aura cette majorité parlementaire qui ne lui a pas été acquise dès le départ. C'est un sérieux problème, Dan, parce qu'il n'y a aucun texte qui lui confère tous les pouvoirs, à moins qu'il se soit inscrit sur la logique d'un dictateur qui doit écraser donc, tout. Une personne comme Fayoulou qui part aujourd'hui sans ses députés, mais ce sera encore... il risque de tomber dans... le même panneau. Mais ce sera encore pire parce que lui, il n'aura même pas un seul député à lui. Vous voyez ? Donc, il s'est lancé dans une mésaventure, une politique qui n'a pas été bien calculée. Et pour moi, je pense que comme il avait demandé à ses compères de ne pas y aller, il ne devrait même pas, pas du tout, tenter cette aventure. Merci donc, beaucoup. Je pense que pour terminer, c'est là que je rallie un peu Camille parce qu'ici... il est question d'accrocher toutes les réflexions qui sont utiles pour que prochainement... parce que Dan, tu sais, il y a une chose qu'on a toujours dit ici. Oui. On peut tout faire pour amener Félix Tshisekedi à échouer. Oui, il échoue en tant que président de la République. Mais en tant que maintenant personne, il ne va pas échouer parce qu'il aura les garanties. La République va l'encadrer en tant que sénateur à vie jusqu'à la fin de ses jours, ainsi que ses enfants. Mais nous qui aurons souhaité qu'il échoue, nous allons subir cet échec-là jusqu'au bout. Mais pourquoi ne pas, par moment, le pousser dans la continuité de l'État tel qu'il le fait ? Oh, il a achevé tel acte. Mais que ce soit commencé par lui ou pas, mais c'est ça aussi un président de la République qui doit s'inscrire dans cet élan-là. Quand il parle de l'élan, eh bien, allons dans cet élan-là. Dans cet élan-là. Merci beaucoup, monsieur Henry. On va donc prendre la deuxième thématique de l'émission. Il nous reste, en tout cas, pas plus de 15 minutes. Hein. Bon, on va prendre, je crois bien, le dernier tour de parole chacun. On prendrait chacun 7 minutes pour réfléchir sur cette thématique. Et nous allons clore l'émission parce qu'il y a d'autres programmes juste après. Monsieur Camille,
il y a cette 4 personnes, je m'en vais rappeler un peu les faits, permettez. 4 personnes sont mortes à Malimbankoulou, au centre de la région de l'ex-Katanga, ces dernières 48 heures, au cours des violences intercommunautaires. L'incident s'est produit à la suite du meurtre d'un conducteur de taxi-moto perpétré par des supposés bandits, identifiés comme ressortissants de la région du Kassai. En représailles, les collègues de la victime se sont pris aux membres de la communauté kassayenne vivant à Malimbankoulou. La tension entre la communauté kassayenne et katangaise est latente à quelques jours des élections. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui s'est passé hier et avant-hier à Malimbankoulou? C'est triste, j'ai suivi l'information. Et c'est entre Congolais qui s'entretuent. Entre Congolais, tout à fait. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu un plan du développement, d'évaluation, d'évolution de nos concitoyens. Ouais. C'est la pauvreté. Je vais vous le dire sincèrement, c'est la pauvreté. Et quand on va aller voter, les députés, il faut leur dire qu'on est pauvre. Ouais. La société est pauvre. Les Congolais sont pauvres. Et c'est cette situation qui les met à la merci de tout ce qui peut arriver. Aujourd'hui, quand vous voyez un politique agiter les spectres des étrangers ou des considérer que les autres ne sont pas à leur place au Congo, c'est parce qu'ils cherchent la facilité. Nous devons réfléchir par contre comment faire en sorte que chaque Congolais, partout il peut être, vivre décemment et surtout qu'il puisse se retrouver, qu'il puisse se sentir chez lui. Oui. Et les événements comme ça, c'est malheureux. Et ça se répète surtout dans ces coins-là. Et j'étais là-bas, j'ai vu, et j'ai vu aussi l'exode, c'est vrai. Il y a beaucoup d'exodes dans ces coins-là. Mais pourquoi? Parce que j'étais aussi en Bushimaï, parce qu'il y a la pauvreté en Bushimaï. Okay. Il y a la pauvreté en Bushimaï. Il y en a vraiment la pauvreté en Bushimaï. Il faut les marteler. On va aux élections, on ne va pas pour faire un concours de beauté. Quand on s'engage dans la politique, c'est pour changer. L'idéal, c'est changer le quotidien de chaque individu, comme le président l'a dit. Il faut que chaque Congolais, là où il est, qu'il puisse se sentir à l'aise. Et surtout qu'il puisse évoluer et s'émanciper. Mmh. Il y a la pauvreté partout. Et je crois que les politiques dans la capitale, ils se pavanent derrière des voitures climatisées. Ils oublient qu'il y a la réalité qui est dehors. Est-ce que le peuple lui-même a des problèmes? Est-ce que le peuple kassain et le peuple katangais, ou les deux communautés ont des problèmes? Ou bien ce sont les politiques qui tirent les ficelles? En fait, je dirais que c'est les politiques qui tirent les ficelles. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez un pouvoir politique, c'est comme la source d'eau. Si la source d'eau est polluée, mettez-vous en tête, tous ceux qui vont aller boire là-bas seront morts. Mais les politiques ont le pouvoir de changer. Parce qu'on ne s'engage pas dans la politique quand on n'est pas capable de changer quelque chose. Je compare toujours la politique comme la cuisine d'une maison. Les enfants, quand ils arrivent, ils vont faire un tour à la cuisine rapide pour savoir qu'est-ce qu'il y a à manger. Mais quand la cuisine est fournie, même les voisins viendront chercher à comprendre ce qui se passe. On n'a pas de politique ici. On a des gens qui veulent faire de la politique parce qu'ils pensent que derrière la politique, ils doivent s'enrichir. Ces populations qui s'exodent, c'est parce qu'il n'y a rien à manger à Mbujimaï. C'est parce qu'il y a des soucis à Mbujimaï. Ils pensent avec les mines au Katanga, ils peuvent se retrouver en faisant... Moi, je les ai vus travailler. Ils travaillent durement. Ce n'est pas les gens qui viennent en vacances en Bushimaï, au Katanga. Ce sont les gens qui passent des nuits dehors, sous la pluie, qui creusent des 10 mètres sous sol. Mm-hmm. Et ils les font où? Ils les font pas à Brazza, ils les font au Congo. Mm-hmm. Et quand ils arrivent ils là... Ils sont congolais. Ils sont congolais, ils ont le droit de le faire. Mm-hmm. Parce que l'artisanat ne délimite pas les individus. Tout Congolais a le droit de faire l'artisanat minier partout il veut. Oui. Donc, ce sont les politiques du coin qui alimentent des tensions en disant qu'ils viennent nous voler notre richesse. Un Congolais ne peut pas voler les richesses d'un Congolais au Congo. Tout Congolais a le droit d'aller trouver la richesse au Congo, partout il veut, quand il le veut, et sans obstruction. Mm-hmm. Et ces gens-là qui alimentent ces jeunes-là, et souvent ce sont des politiques. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à proposer que de susciter des tensions comme ça. Mais on a on va dire même quelques semaines, hein, des élections. Comment faire pour que cette situation ne puisse pas embraser la période post-électorale? Comment faire pour que nous puissions passer cette étape qui est importante dans l'avenir du Congo de façon totalement pacifique, qu'il n'y ait pas ce que tout le monde craint? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le service de sécurité doit être en alerte. Il faut qu'ils fassent leur travail. Le président l'a rappelé.
et on doit les rappeler encore. Nous sommes dans une période charnière où on doit élire nos nouveaux dirigeants et que la sécurité, les forces de sécurité, toutes sortes de forces de sécurité confondues, doivent être en alerte pour empêcher qu'il y ait des dérives. Donc, je dirais aujourd'hui, la seule solution par rapport aux maîtrises des situations, ça sera d'instruire les forces de sécurité d'être en alerte. Et nous, nous n'allons pas leur laisser toute la charge. On s'est mis là. On doit éduquer la population. On ne doit pas arrêter, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. On a commencé un travail et on finira ce travail. On doit instruire la population. On doit leur marteler ce qui est nécessaire. Et que si on va voter, on vote n'importe qui, mettez-vous en tête, on aura des invertébrés politiques. Les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, les gens qui sont là pour être là, pour remplir les rangs. On a besoin des gens qui ont des idéaux et avec ces idéaux pour faire émanciper la société. Donc pour éviter tout ce qui se passe, les forces de sécurité doivent être en alerte et que les politiques doivent affûter leur discours. Merci beaucoup, M. Kami, pour ces belles propositions. M. Henri Tshimbalanga, vous aussi, à votre niveau, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qui se passe aujourd'hui à Malemangou? D'abord, quelles sont les leçons qu'on doit tirer? D'abord, je condamne fermement cette barbarie-là et je demanderai à ce que l'État congolais déploie tous les moyens possibles pour aller, comme tous ces jeunes-là sont identifiés à travers les vidéos, infliger une telle souffrance à une jeune demoiselle de plus ou moins 16 ans, jusqu'à lui fourrer un bâton dans l'organe génital. J'essaie un peu d'imaginer la douleur qu'elle a ressentie, quelle est la mort qu'elle a ressentie en ce moment-là. Et au-delà de tout ça, c'est ça la conséquence de nos politiques qui ont très mal géré les situations avec légèreté. Ce peuple-là qui se retrouve dans les quatre coins et les recoins de la République, ça part deux fois, c'est pas par plaisir. Oui. On a vécu 12 ans au Kassai Oriental sous malheureusement les règnes de Ngoï Kassangi. Et ça a été très dur, plus qu'un pharaon. Je le dis sans mâcher les mots. Il a appauvri toute la population comme si c'était un Rwandais qui dirigeait cette province-là, Dan. Est-ce que tu sais que ce peuple-là était toujours trop fier de vivre au Kassai depuis toutes ces années-là? Les gens quittaient Mujimai pour venir à Kinshasa ici, vendre leurs diamants le matin ici à Gombe. Et à 14h, ils reprennent l'avion. Malgré l'argent, ils achetaient des maisons ici, mais ils n'acceptaient pas de vivre ici à Kinshasa. Ils se sentaient mieux là-bas. Mais c'est à partir de cette gouvernance-là qu'il y a eu maintenant... La parenthèse des 18 ans. Oui, il y a eu maintenant cet exode-là parce que tout ce que tu fais, on te coince par ton propre frère qui a mal utilisé ce pouvoir-là. Et les résultats maintenant sont là. Vous voyez, donc tout ce qui se passe ici, nos politiques doivent s'amender. Maintenant, les victimes, ce sont les pauvres citoyens. Ils se retrouvent là-bas, quel que soit l'incident, mais il y a déjà cette animosité-là qui ne trouve pas de justificatif. Mais à Mujimai, là-bas, il y a des commerçants qui viennent de Kalemi, qui ne sont pas des Kassaïens, qui venaient souvent écouler leurs marchandises. Toute la production des frétins là-bas à Kalemi, ça allait où? C'est à Mujimai. Ils sont là-bas, il y a tout un quartier d'ailleurs où c'est plein de commerçants qui viennent de Maniema. Mais en aucun moment, ils ont été menacés, vous voyez. Donc, les politiques doivent s'assumer, doivent comprendre leurs responsabilités. Quand vous gérez les affaires de l'État ou quand vous êtes député ou quoi que ce soit, vous devez se rassurer de ce que vous sortez dans vos propos. Parce que cette population-là qui, dès le départ, n'a pas accédé aux études, et ça peut exploiter de toute manière. Et les conséquences, c'est de l'atrocité. Et au-delà de ça, moi, je pense que l'État congolais doit aller jusqu'au fond. À l'époque de Kamwena Sapo, il y avait de telles violences. Mais l'État congolais, finalement, avait pris cette décision-là. Il y avait une mission officielle où, à travers le bataillon PEM du Kassai Oriental de la 21e région militaire, on en avait fini avec les Kamwena Sapo parce que c'est l'État qui est au-dessus de tout. Et je pense que cette histoire-là,
ça ne doit pas vraiment rester impuni. L'État doit aller, vraiment jusqu'au fond et récupérer tous ces gens-là. Ils n'ont pas où aller, il faut les récupérer et stopper une telle barbarie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça fait très mal de voir ces images-là et ça ne doit pas rester impuni comme ça. Il faut des sanctions exemplaires pour que pareille chose ne se répète. Je pense que nous sommes tous Congolais, on a besoin de vivre en paix pour les développements sans la paix. Et dans une petite parenthèse, je me souviens, il y avait aussi un tel comportement, un tel événement qui s'était passé à Mbujimayi. C'était, je crois, vers 2017 ou vers les 2018. Et je me souviens, c'était une dame kassaïenne qui avait subi un tel sort. Mais Olive Lembe s'était aussi impliquée en tant que première dame personnellement jusqu'à ce que les services sont allés mettre la main sur cet individu-là et l'amener ici à Kinshasa parce que c'est inhumain. Il faudrait que ces gens-là qu'on nous voyons dans ces images-là se retrouvent ici et ils doivent répondre vraiment de cet acte. C'est pas possible bon, s'il y a eu peut-être des bandits qui ont ravi une moto, ainsi de suite, mais vous n'avez qu'à les retrouver et ils devraient les amener à la justice. Ils devraient payer de leurs actes que s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir avec ces histoires-là. Ouais. Ça fait très très mal. On espère que pareil incident ne va pas se reproduire, que l'État va prendre en tout cas le taureau par les cornes. C'est vraiment désolant de voir ces images, surtout la jeune fille dont a parlé M. Henri, qui était en train d'être violentée par plusieurs hommes. Donc c'est vraiment des images qui sont difficiles à supporter. Merci beaucoup M. Camille d'avoir été avec nous sur ce plateau de Grande Tribune. Merci beaucoup M. Henri. Toujours présent dans cette chaîne. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez voulu aussi participer, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir sans problème. Portez-vous bien et donc retrouvez demain M. Daniel Camboa pour un autre numéro de Grande Tribune. Au revoir.